Des vis pizza bella glas. E us mute la manga a belle martil. Sete de set is tre difícil, mas il san gulecu. Então tenia resté à l'écouter pour apprendre à préparer les recettes avec le confort de votre cuisine. Comme ingrédient pour la spirale de fruits, vous avez besoin de 40 g de beurre, 80 g de sucre, un peu de sel, 2 ou 3 jaunes d'œuf, quelques gouttes de vanille, 250 g de farine. Finalement, la spirale a besoin d'une crème douce pour donner les touches finales. Pour la crème, vous avez besoin de 3 jaunes d'œuf, 20 g de farine de maïs, 60 g de sucre, 250 ml de lait, quelques gouttes de vanille et 200 ml de crème de lait. En plus de ça, pour la garniture, vous avez besoin de les fraises, les poires, les pommes, l'orange, les kiwis et les racines vertes. Pourtant, vous allez utiliser des fruits ou chauds. Maintenant, nous pouvons commencer. Tout d'abord, battez les jaunes d'œuf avec les almadines de maïs et le sucre. Cesse le lait sur les jaunes d'œuf. Passez le mélange et trouvez un tamis. Faites cuire à feu doux à que se cuit. Retirez du feu et ajoutez quelques gouttes de vanille. Couvrez avec du film extensible. Mettez le au frais. Laissez la crème fouetter. Laissez le mélange sur la tarte. Cuire dans le four à 190 degrés pour 12 à 15 minutes. Maintenant, retirez et laissez-les refroidir. Coupez les fruits en petits morceaux. Mettez sur la crème comme vous le souhaitez. Nous allons mettre la crème dans une spirale. Et voilà, c'est prêt. Voici votre spirale de fruits. C'est délicieux. Bon appétit. Comme ingrédients pour notre dessert, vous avez besoin de un petit paquet de gélatine, les myrtilles et autres fruits rouges, 200 g de crème de lait, 3 blancs d'œufs et 180 g de sucre. Maintenant, c'est qui s'est passé? Dernière nouvelle! Nous venons de t'informer qu'il y a un tremblement de terre tout à l'heure. Il avait une magnitude de 6.8 et chez de Rijke dans la magnifique ville de Paris. Les citoyens sont pris de panique. Jusqu'à présent, il y a eu de graves dommages à la ville. Mais il y a eu environ les blessés de tragédie et je regrette de vous informer, mais... Très bien! Continuez avec notre mousse! Où étions-nous? Oh, nous allons commencer les mousses. Maintenant, mixez les framboises avec un processus de monde ou dans un mixeur pour obtenir une chérie crémeuse et de mon chéri. Et la
Frottez la gélatine avec 35 ml d'eau et réchauffez dans le micro-ondes pour 20 secondes. Versez au-dessus de la préparation de fruits. Mélangez à intérieur. Versez et battez la crème au milieu et ajoutez la préparation de framboises. Ajoutez une meringue italienne dans la préparation. Mettez la préparation à la réfrigérateur. Décorez avec un mélange de fruits rouges. Et voilà! C'est parfait! J'aime le mousse de fruits! Finalement, notre recette dernière est un smoothie de la mangue! Wow! Comme ingrédients pour le smoothie, vous avez besoin de 12 mangues fraises de 800 grammes, 3 cuillères de sucre, 2 cuillères de la glace, 5 grammes de martil, 500 grammes de lait. Maintenant, versez les mangues, le lait, le sucre et la glace. Et le martil. Battez bien dans le mélange. Versez le smoothie dans le verre et garnissez le martil et voilà. Maintenant, nous allons déguster le dessert. Le dîner de soleil de terre que notre âge fait. Bien fait, mon ami! Il est temps de partir. Merci pour regarder. Nous espérons que vous aimez notre cuisine. À la prochaine! Au plaisir de vous voir mardi. Prochaine à 4 heures. Seulement ici, dans le canal alimentaire.